Oh waouh, il se passe quoi là? Ah ouais, pas mal ça. Vous m'entendez? Waouh, j'ai un petit souci là. Écoute, je sais pas où ils sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, à mon avis, il faut sortir. Peut-être raison. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon? Si je voulais dire. On a encore 6 moteurs dans le camion au cas où. Oui, Ah 6 bon? sûrement. Ouais, j'en ai remis 6. Ah, t'en as remis 6 aussi, toi? Ça Non, me je peux manque un monde, pas. J'attends qu'il prenne les bah, 6 dans le camion. donne-moi. Ok, vas-y, j'arrive. Sens. Six. Merci pour le follow. Du coup, là, j'ai pas touché, parce que j'ai pas su où je prenne. Il y a quoi là? C'est que le tissu, les bouteilles là qui restent dedans? Ah, mais les tissus, gardez-les pas, les gars. Parce que même au pawn shop, il va peut-être vous refuser. Ah ouais? Non, Ok, bon, non. on les tège alors. Ou alors tu Le les vends. tissu, moi je l'ai jeté. C'est quoi que tu reprends? Les canettes? Tu m'avais dit que tu Les reprenais plus canettes, cher les canettes les que canettes, les les douilles. lingots. Bah, au pire, vas-y, prends les canettes et les douilles. Hein. Non? Let's go. Ah ouais, il y en a un paquet, putain. Eh ouais. Si tu peux, après, si tu peux pas, c'est pas grave, laisse-le dans le Si, camion si, si, et. si, je peux, c'est que je peux pas tout prendre d'un coup. De toute façon, le patron, tu veux me le ramener? Tu pourras pas. Ah ouais, bien vu. Excuse-moi, j'ai branlé. Ah oui, d'accord. En vrai, ouais, je vais rester comme ça, ce sera plus simple. De toute façon, c'est bon. J'arrive pas à courir. Ouais, du coup, j'ai envoyé un petit mail vite fait à mon patron. Je lui ai dit que dans l'établi qui est là-bas, là, j'ai posé tout votre Ouais. stuff. Yes, Et c'est comme cool. ça, quand il sera là. De toute façon, à mon avis, il doit avoir son numéro si toi tu l'as. Ah ouais, il doit l'avoir. Et bah, soit il t'appellera ou quoi, il dira, tiens, ton argent. Faites Ah ça voilà quoi. aussi. Ok. Ah, du coup, si vous pétez une mule, ouais. Là, l'établi, vous allez le bourrer. Hein. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on va péter la mule ou qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, ouais, on va vite fait péter la mule comme ça sera Mais clair. en tout cas, sachez que si vous chopez une mule, si vous faites du minerai d'or après à l'orpaillage avec ça. Bah, moi j'aimerais bien tester l'orpaillage là vite fait. Après, tu veux tester maintenant? Bah, si tout le monde est chaud, ouais, pourquoi pas. Bah, attends, je vide mon camion. Va chercher une mule avec ça va. Ouf. On va Ça, il va me péter, on piquer va un péter nom. le compte en banque. Hein. T'inquiète pas. Ce soir, on a la villa. L'orpaillage, c'est très long. Genre, Comment ça, c'est très long?
Pour remplir le camion qui est derrière moi, c'est un bon 2 heures. Hein. Non, c'est plutôt là-bas. Ah mais non, je m'embrouille, c'est là-bas. Putain de con. Pourquoi j'ai toutes ces bouteilles moi? Il m'en a posé dedans ou quoi? J'ai pas vu. Toutes mes bouteilles en fait je vais les donner à... Sur les bouteilles il y a quand même un billet à faire. Je vais les donner à... Au gars de la Fabelas. Ils vont se faire un petit billet de 3 000 ou quoi. Tac. Les montres je vais les poser là aussi. Tu vas voir que le truc établi il est plein de douilles et de machin, il va péter un fond. Putain, je vais le prendre. J'ai fini je crois. Yes, c'est bon, je suis à vide. Du coup on teste l'arpaillage alors. On va chercher, tuer la mule et puis. Non enfin en vrai c'est... Oh purée, j'ai encore des soucis de... Attends, viens on va dehors. Je sais pas s'il faut que j'aille faire une petite sieste rapide ou pas. Oh vas-y, À vas-y, cause de t'inquiète, ça. pas grave. Mais pour le coup ouais je disais si vous prenez une mule en fait. Si vous voulez faire de l'arpaillage après, la rentabilité elle sera sur le long terme, tu vois. Parce que Ah ouais, c'est pas. tu remplis pas 360 kg dans une mule en une soirée. Hein. C'est l'arpaillage, c'est super long. Après vous êtes deux donc ça va aller un peu plus vite. Mais moi en solo, un camion comme là derrière vous là, je le remplis complet plus mes poches en... c'est un bon 2 heures. Ouais, bah c'est ça. Donc à deux tu divises par deux quoi. C'est même plus que 2 heures je crois. Enfin bref. Je compte pas trop mes heures. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Allez. Je tape une petite sieste vite fait là. Vas-y. En speed et. Attendez, moi j'arrive. Je sais pas pourquoi je.
On peut pas se vendre des véhicules pour l'instant là. Il me semble que si, mais je sais pas où c'est qu'on achète des contrats. Alors là, aucune idée. Sûrement au pawn shop. Alors oui, à tous les coups, c'est au pawn shop. Je sais pas, mais tout à l'heure, j'ai pas fait attention si on avait pas. Déjà, on va aller avec ces camions là. Bah non, mais je pense que c'est. Faut voir le mec directement, tu vois. Ah ouais, ok, je vois. À tous les coups. Soit tu vas voir, ou alors peut-être le gouverneur qui peut les. Enfin, tu vois. Ça doit être quelqu'un qui les vend directement, c'est pas. Alors ça avec lui quand il va arriver sort. Là, c'est il faut ça. Qu'on passe à la mine acheter la table là, que t'as dit. Yes. Et puis après, on te suit parce que on sait pas où c'est le paillage. Ah bah d'ailleurs, attends, 30 secondes. Oh. Regarde, la table d'arpaillage, ça ressemble à ça. Attends, je vais te la filer. Ah mais c'est là. Ah ok, d'accord. Ok. Par contre j'en ai qu'une. Merci. Non, t'inquiète, on va l'acheter. Comme ça tu sais, tu pourras dire à ton collègue. Ouais, pas de soucis, on va acheter ça. Vas-y, bah au pire, je peux te mettre un GPS pour te montrer l'orpaillage. Il est ouvert là? Je sais pas. Normalement oui. Ouais, c'est bon. Maintenant, comment t'as fait pour éteindre ton moteur? Oh non, c'est parce que c'est pas mon véhicule, c'est pour ça. Ah! Sors! Tu le vois le point? Oui. Ok, c'est là-bas que je vais. C'est là-bas où t'as le moins de. Comment dire? De mots de tête. Yes. D'accord, ok. Ça ramène une pépère ouais, là-bas. Donc partez devant parce que vous avez la table à acheter. Ah, je vais me prendre à bouffer. Ouais, c'était un petit moment là-bas. Quoique, il est quelle heure là? 15h. Il y a qu'on m'appelle dans pas longtemps là. Il me reste combien? 3, j'en prends juste 2. Ah ouais, c'est 5h. Ah non, un menu ça fait 1h complète. Non, j'ai saisi le truc. Donc en vrai, 4 burgers ça m'aurait suffi. À 4 menus.
Ah bah je vais attendre tranquille. Ouais, je vais commencer, je vais pas attendre. Ils sont deux, ça va être vite pour eux. Par contre une mule, ils vont la garer sur le côté là-bas. Sinon ils vont se tuer ceux qui vont se foutre dans l'eau. Tac tac tac. Ceinture. Ah. Il est où mon petit spot là? Non, c'est pas ça. C'est là. Incroyable, vas-y. Ça va être bien. Ah, vous êtes pas venu avec une mule? Non, on a pas été là, c'est fini. Ok, ouais, vous avez raison. J'étais sur le point de t'envoyer un message et de dire dans le chemin de terre, fais gaffe avec une mule parce que c'est dangereux. Sur la route. Je suis à la limite du spot moi. Donc, normalement faut aller plus sur la gauche, à ma gauche. Par contre faites gaffe à la rivière, hein. Vous faites pas emmener par le courant. En vrai on a pas une lumière là. Ou un truc. J'ai pas de lampe sur moi là, attends. Parce qu'en gros dans la rivière tu peux marcher dans le début du bord tu vois. Mais si tu t'enfonces trop dans la rivière le courant il t'emporte. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je meurs. Bah en fait non, vas-y pas non. Parce que si tu te fais... Je vais tester. Non mais si tu te fais emporter dans le courant et que tu vas trop loin, là-bas au bout il y a des cougars et des machins là-bas. Ah. Et t'as pas trop envie de te faire bouffer. Ouais, sauf que quand il te bouffe, après t'es bon pour une bonne semaine d'hôpital, quoi. Elle est polluée, cette eau, hein. Non, elle est translucide, aussi. Il a déjà vu la dame blanche, je dirais. Eh, on t'entend pas fort. Moi je suis à Jonas, il a déjà vu la dame blanche. La dame blanche? La dame du lac? Non, la dame blanche, la dame de la montagne. Moi je vois des aurores boréales autour de nous, mais sinon je vois pas de dame. Ah, parce que c'est pas ici, mais si tu vas sur la route du phare, à 23h45, t'attends, tu vas voir, elle va discuter avec toi et tout. Oui, elle apparaît à minuit, ouais, je connais ce truc.
Ah ouais, c'est totalement, j'ai un peu ce qu'on va faire là. Avec ça, la manche. Bon. Ça, tu le vois sur le live là. Qu'elle vient d'aller dans la grotte. T'as dit quoi? Jonas, c'est toi qui vient. Ouah, ça y est, attendez. Non, je l'ai vu moi aussi. L'alien? Ouais. Ouais. Toi aussi, tu l'as vu l'alien? Mais la seule fois où je suis allé essayer la mine, arrivé au fond. En fait, j'avançais avec ma lampe torche en main, tu vois. Et des moments, quand t'avances, c'est ta lampe torche, elle est éteinte, tu vois. Ouais. Et j'arrive au bout, j'allume ma lampe, je vois le truc, je me suis fait dessus. Ah, bah lui aussi, il est parti en courant. Oh putain. Ouais, sous la poêle, lui, carrément. Ouais. Bah, ça fait longtemps que je me suis pas lavé, hein. J'en profite en même temps. N'enlève pas le caleçon parce que ce qu'il y a derrière toi, il va te la becquer derrière. Eh oui, les coyotes ils gueulent là, ils ont senti ton gras là. Bon, ils ont senti le mâle dominant. Ils ont senti la viande. Le mâle dominant il a senti, ah putain. Alors, je sais pas s'il est dominant mais. Fais gaffe, il y a du courant ici, fais gaffe. Hein. Tu la vois la bestiole de la forme, d'accord. Ouais, tranquille. Fais attention, parce que je crois que tu regardes bizarrement. Attends, je vais lui parler. À qui? Tu vois, regarde. Elle est contente. Je suis prêt à parier que c'est à cause de la mise à jour que j'avais des problèmes tout à l'heure. Bon, ça c'est toujours. Je suis en mode bêta. Ah, du coup, je l'ai plus là. Ah, si, j'ai toujours. Ah, mais c'est son truc de course là. Moi je vais. J'utilise pas donc je m'en fous. Ouais, en tout cas, ce l'orpaillage c'est très long, faut être fort mentalement, moi je vous dis. Oh, je pense que c'est bon pour nous alors. Ah ouais, c'est sûr que vous devez être fort mentalement, c'est sûr. Oui. Je ne citerai pas de nom à cause du pourquoi, du comment. Ouais, non, on connaît déjà. T'as dit quoi? Une fois que t'as subi ça, t'es capable de tout subir. Ouais. Bon, on est entraîné aussi. Hein. Ah, j'espère, ouais. Oui. Mais d'ailleurs, j'avais lu un article sur le groupe Forget, là. C'est quoi ce délire? Sur le quoi? Sur le groupe Forget. Vous voyez pas ce que c'est? Non. Bah, y a un article sur le Weasel qui en parle. Ah oui, j'ai pas fait ça. Donc quoi, je sais pas quoi, ils ont pas menacé le gouverneur ou je sais pas quoi. Hein? Ah non.
Bah, vous êtes cigare du bar quand même. On n'est pas au courant, je crois que ça. Si ça serait vraiment le cas, je pense que. On y serait quand même. Bah, ouvre ton téléphone. Tu cliques en bas sur Wizard News. Et tu lis l'article, tu vois. Je sais pas, vraiment, si vous. Et à mon avis, il y a des choses qu'il vous a pas dit. Il y a forcément des choses qu'il vous a pas dit, votre gouverneur. Après, l'article qui date d'il y a quelques semaines déjà. Et puis il y en a eu un autre après sur l'intranet de la ville. À mon avis, je suis pas bizarre. En tout cas, c'est assez flippant quand même. Je me dis, ces gens-là, je peux pas les faire chier. Ok, voilà, j'avais pas fait attention à ce que ça genre. Les articles, j'avais pas bien. Et du coup, tu vois de quoi je parle, du coup, là ou pas? Ouais. Tu comprends pourquoi je me dis que le gouverneur c'est un pantin, enfin je me dis ça se trouve il est tenu par les couilles en fait quoi. C'est. Enfin, c'est sûr. C'est sûr. Après j'espère qu'ils sont bien organisés. Je sais pas, après je m'en mêle pas, tu vois, c'est juste que je suis curieux. Le pire des cas, c'est une fin de vacances. Oh merde! Ça fait longtemps qu'on en a pas pris. C'est clair. S'il peut nous le garder pendant 48 heures, 72 heures, ça ferait du bien. Ah, oh, t'imagines le mec il vous appelle, il vous demande une rançon. Ah non, mais c'est bon, gardez-le. Ouais, non, ouais, pas de soucis. Et en vrai, ça serait une solution pour comment dire, dénouer la situation, parce que les mecs ils vont se dire putain merde. Non mais je pense qu'ils vont en avoir tellement marre qu'ils vont nous appeler pour venir les chercher. On les récupère, on n'en veut plus. S'il vous plaît venir. Ah non non, vous vous démerdez. Si nous ils nous demanderont une rançon. On va leur envoyer un courrier en leur disant merci, vous venez nous sauver la vie. Vous voulez qu'on le récupère? 1 million. Tu leur demandes une rançon plus forte que la leur. Si nous, ils demandent de la payer en plusieurs fois, ils disent ok, pas de soucis. Ils nous donnent la moitié maintenant et le reste tout de suite. Oh, c'est jamais arrivé. Hein. Je suis avec la peau de singe, tout ça peut toucher, on verra bien. Le pire des cas, je t'enverrai négocier avec eux. Tu m'as dit quoi? Je dis, je t'enverrai négocier avec eux. Vas-y, c'est bon. Là, c'est vite réglé, hein. Tu crois? Oui. On risque d'être en congé pendant quelques jours, mais voilà quoi. Je sais pas ce qu'ils font, voilà, mais c'est en train de buter mes performances. Voilà, ils ont été pourrir la zone maintenant et je vais m'avoir des lags ici aussi. Ah là 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 là, putain, c'est vraiment une catastrophe ça. Au secours. Depuis le début, j'avais jamais eu ce genre de merde à cet endroit-là, et ça commence. Super. Magnifique.
Eh ben, ah mais j'ai anticipé en fait, c'est vrai que c'est toi qui avais follow, excellent. Bien vu, bien vu. De toute façon, peu importe. Donc c'est pour ça que t'as dit l'eau est polluée machin, ok. T'as voulu troller un coup. Les poules, je les entends pas. Vous en trouvez des pépites d'or ou pas?